Il était une fois, un certain 12 février 1963, en Nganjika. Dans cette cité de l'ancienne province du Kasaï-Oriental, naquit un homme dont l'histoire de la province parlera pendant des décennies, voire des siècles. Alphonse Ngoyi Kyasangi est fils de feu Anaclet Mukendi wa Kanda et Madame Bernadette Mulanga Kabongo, des chrétiens catholiques pratiquants et citoyens dévoués connus dans leur milieu. Après un parcours élogieux d'élève, une brillante carrière de surveillant et d'enseignant à l'Institut Ndeji de Nganajika, Ngoyi Kyasangi épouse Madame Odette Mbuyi Ngoyi et fonde une famille de 7 enfants. Pendant ce temps-là, l'homme s'élance dans les affaires, particulièrement dans le secteur du diamant, où sa montée en puissance le propulse à la tête de ses pairs. Alphonse Ngoyi Kyasangi est alors élu président de la Fédération Congolaise de l'Or et du Diamant, FECODI en sigle, et du Conseil Provincial des Diamantaires, CPD. Homme d'affaires de renommée internationale grâce à son diamant du siècle, Alphonse Ngoyi Kyasangi fait son entrée réussie en politique et adhère à l'alliance de la majorité présidentielle peu avant 2006. Sa première sortie remarquable est tout aussi inoubliable. Dimanche 23 juillet 2006, soit 7 jours avant le premier tour de la présidentielle, Ngoyi Kyasangi accueille en trombe à l'esplanade de l'aéroport de Bipemba le candidat Joseph Kabila Kabange en pleine campagne électorale. Mbujimayi mori wenu. Mori wenu kabidi. Lelo ki ya mulala ngoma. Tundu ambila bwani tudimu chisumbu cha bachobesha kimomwanyi. Lelo tudini chobesha wetu mwekipu mutuji muampe. Chobesha wetu mfumu waditunga mukalenga Joseph Kabila uri munkachi mwetu sangai tumona sangai ayant scellé son mariage avec Joseph Kabila. Alphonse Ngoyi Kyasangi est élu député provincial et remporte haut la main l'élection de gouverneur de province le 15 février 2007. Ce jour-là, 51 députés sur les 66 votants ont jeté leur dévolu sur un fils de la maison qui maîtrise bien les problèmes de ses frères. Ce sont les impressions de joie, de réjouissance profonde, parce que pour une fois, le peuple kassaïen à son gouverneur élu démocratiquement. Et je remercie les députés provinciaux qui ont porté leur choix sur mon humble personne et à cela dans l'intérêt général du peuple kassaïen tout entier. Alphonse Ngoyi Kyasangi, nouveau venu dans le monde politique, est-il capable de relever les défis de sa province? Peut-être pas pour une certaine opinion. La victoire de l'ancien patron du bureau du peuple au gouvernorat du Kasaï-Oriental constitue une énorme surprise pour plusieurs analystes. Des éminents professeurs, juristes et experts étaient en course mais n'ont pas pu résister face à cette nouvelle étoile brillante de la politique.
Le nouveau gouverneur prend officiellement ses fonctions le 20 mars 2007 après investiture par ordonnance présidentielle. Accueil très chaleureux et un meeting des démonstrations populaires devant l'hôtel des villes. Voilà les faits marquant la prise des fonctions d'Alphonse Ngoï Kiassangi à Mbujimayi. Dès le jour suivant, le nouveau gouverneur s'imprègne de la situation de son entité. Le Kassai-Oriental est une province affamée. Les trains n'arrivent plus à la gare de Mouyadidou. L'amiba est agonisante. Le méca des maïs varie entre 3 et 5 dollars américains. Les routes sont impraticables. Le taux de scolarité est au plus bas. L'insécurité, l'intolérance politique et le chômage battent leur plein en Mbujimayi. Les caisses de l'État sont vides. Bref, le Kassai-Oriental est comparable à un avion cloué au sol pour non-paiement des taxes. Conscient de la tâche complexe qui l'attend, le nouveau gouverneur se rend d'abord à Lubumbashi, où il obtient de son homologue Moïse Katumbi la libération rapide de plusieurs cargaisons de marchandises appartenant aux opérateurs économiques du Kassai-Oriental, bloquées depuis des années au Katanga. Il y a alors afflux de denrées alimentaires de première nécessité sur le marché. Alphonse Ngoï Kiassangi comprend alors que la population du Kassai-Oriental ne va jamais manger à sa faim si elle continue à se ravitailler au Katanga. Pour casser ce marché, il lance le mot d'ordre agriculture priorité des priorités. Son rêve est que le Kassai-Oriental, fort de son sol très fertile, redevienne grenier agricole de la République démocratique du Congo. Des tracteurs agricoles sont acquis, distribués à la population. L'agriculture est alors mécanisée. J'ai semé il y a 2 mois et demi. J'ai maintenant les résultats. Vous voyez que ces gens ont bien donné. Mais si tout le monde avait son champ, donc on ne connaîtrait pas les problèmes de rareté sur le marché. Voilà ce que je demande à la population, d'avoir chacun son champ. Alphonse Ngoï Kiassangi et sa population font des récoltes spectaculaires. Depuis cette période, les Est Kassaïens consomment local et les prix des produits des champs ont sensiblement baissé. Les routes sont les voies de communication indispensables pour le développement durable. Lors de son discours programme, Alphonse Ngoï Kiassangi avait promis de doter la ville de Mbujimayi de la voirie urbaine. Le boulevard M. Laurent-Désiré Kabila sera l'un des premiers nés de cette voirie. Cet axe routier était caractérisé par de nombreuses flaques d'eau et des nids de poules. Aujourd'hui, c'est un boulevard moderne qui fait la fierté de la capitale mondiale du diamant. L'une des principales connexions du boulevard, c'est l'avenue Kalonji, goudronnée à 10% jusqu'à 2007 par le prédécesseur d'Alphonse Ngoï Kiassangi. Cette avenue a été rénovée et achevée par le gouverneur en place. On ne peut parler de Kalonji sans parler de l'avenue de l'université, qui était aussi un véritable calvaire pour les conducteurs. À ce jour, la circulation s'y déroule avec sourire. Entre les deux avenues précitées, la célèbre place Kanyanya, où les marchands de Bakwadianga vendaient sur la boue, avec des maladies à leur portée. Kanyanya a été asphalté à la grande satisfaction de ses occupants qui exercent depuis leurs activités
en toute quiétude. Autre axe routier des mouvements bitumés, l'avenue Salongo, notamment son tronçon menant vers l'hôpital de Dipumba. Les usagers de cette artère mettaient plusieurs minutes pour atteindre son coin le plus fréquenté, Bobila, le plus grand hôpital de la ville de Mbujimayi. Grâce à la couche de bitume posée sur cet axe, la circulation est très bonne. L'histoire retiendra que l'avenue Kasavubu vers Tshikilanjiji était impraticable depuis les années 80. La fréquentation des habitants de ce quartier était impossible. Ngoï Kiasanji affronte Kasavubu avec courage et quelques mois suffisent pour que les engins empruntent de nouveau cette avenue à la grande satisfaction de ses usagers. Ce sont les impressions de joie immense, mais surtout des remerciements à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a rendu possible l'exécution de ces travaux. Parce que si sa main n'était pas là, on n'en serait pas arrivé là. D'abord à lui, tous les hommages, toute notre reconnaissance, toute notre gratitude. Les mots ne suffiront pas pour lui dire merci. Lors du passage du chef de l'État, ici le président de la République, il m'a reçu. J'ai parlé avec lui de cette difficulté. Je lui ai dit, c'est la première avenue de la ville de Mbujimayi, la grande avenue. Alors, il m'a dit, ok, on va vous donner les moyens pour faire les travaux. Et il a respecté, il a honoré sa parole. Le boulevard Mzé Laurent Désiré Kabila est connecté à Kasavubu grâce au goudronnage de son prolongement avec le budget d'investissement de la province. La réhabilitation de l'avenue Odia David a évité la disparition du célèbre marché Simis, enclavé autrefois par les têtes d'érosion en pleine formation. Je suis là.
l'avenue Kalambanzevu a bénéficié d'une couche de gravillonnage, la rendant aujourd'hui praticable. À Djoulou, l'avenue Kassengoulou, qui va de la Sogakor jusqu'au boulevard Amzé Laurent Désiré Kabila, passant par l'ancien gouvernorat des provinces, est en cours de réfection. L'arrêt momentané des travaux est dû au manque de financement promis par le gouvernement de la République. Que ces routes, ça fait des années et des années. C'est une première. Ça fait notre joie et notre fierté. Nous devons donc remercier le président de la République, son excellence Joseph Kabila Kabange, qui a donné cette impulsion afin qu'on modernise notre pays dans sa vision de la révolution de la modernité. Aujourd'hui, cette route ici va sûrement être asphaltée. Vous avez des conduites d'autres à côté. Ça veut dire non seulement qu'on est en train d'arranger les routes, on va les asphalter, mais aussi on prévoit la conduite d'eau pour éviter que ces routes se dégradent dans un temps record. Donc voilà pourquoi nous sommes satisfaits. Mais aussi, nous voudrions profiter de l'occasion pour interpeller le gouvernement de la République pour que les financements viennent à temps, suivre le rythme du travail. Aujourd'hui, on fait la couche de fondation, demain, ce sera la couche de roulement et l'asphaltage. Ces routes vont certainement être asphaltées. Pour se rendre à Tshibombo en voiture, la population de Mujimaï empruntait depuis plus d'une décennie un cercle vicieux passant de Salongo à Kangea et l'avenue communément appelée 20. Un ravin béant avait réussi à consumer l'ancien siège de la régie des eaux et le marché Odia David qui n'était plus fréquenté. Le centre Moutou Don Bosco, un important investissement de l'église catholique en faveur de la jeunesse de Mujimaï, risquait d'être isolé du reste de la ville. La réhabilitation de l'avenue Inga dans son tronçon compris entre Régie des Eaux Maréchal a permis de sauver ses ouvrages et rendu de nouveau fréquentable le cimetière de Tshibombo. Les travaux se sont déroulés entre 2010 et 2011. Dans la même logique, Bipemba a été reconnecté au reste de la ville de Mujimaï grâce au pont coulé sur le ravin Mutombokati. Cette avenue qui porte le nom majestueux d'un des grands chefs de la plus grande chefferie du Kassai Oriental a bloqué longtemps la circulation des engins lourds, devant assurer les échanges commerciaux entre la ville de Mujimaï et les villages des environs. Aujourd'hui, la connexion est assurée grâce à l'inauguration de ce pont en 2011. Ndingambane ndikutukuta disanka walundi munguluka patwalu mwabeo wakubanga michimo dikenga nimyaji ilugunujila nukonungambile nungkalengu kukamaru wetu tulitukenga pikola nimbwa kweka sunomai nimbwa kusambuka dikenga japichi imema Bambi mwabe mwakolo mfolaseni machine manena remorque nikale yumbuko ku kumwene ditu yumbuka ni shimendo yumbuka ni byakuja ibitafa isambuka yele mu ifika mu marshal bele mu madelko mu magi mom nonko tuli ni disanga na boni itwela mbili mkulu kwa sakiki. La route Mujimaï-Lac-Munkamba, réhabilitée pour la dernière fois vers les années 90, a été retouchée par le gouvernement de la République grâce aux efforts du gouvernant Ngoï Kassangé. L'autorité provinciale était très fière de lancer ses travaux. Machine to look.
Lenga Joseph Kabila Kabang. India Kwelembil. India Kwakunato. Jaquese Tingan. Jaquese Bien Zedi. Hein? Mais pas ma biche. Œuvre. Hein? L'ombola Jamkalenga Joseph Kabila Kabang. Jaquese œuvre. Jaqua Sulula Ditunga. Tulula di mwenegeri nditunga ja bantu ba mezi kibwalukayi akumona luta tulune lutamba kuti munjilewo ngamba ninjilemba mwezo kugati bidimu bihitaha makumi abici apo milimu yandekeli kumilimu myezeka mwabewu lelu nimukalenga Joseph Kabila Kabanga milimu ya kulongolola njilewu kumushiya mwakana tuli tuidwadija lelu tuli tufile chikemu Bipemba, encore Bipemba, nous sommes à la place Sédico, quartier de la Mission, non loin du rond-point Kalalawankata. Un ravin profond s'est subitement déclaré, engloutissant en quelques jours des maisons d'habitation dont les propriétaires ne savaient à quel sens se vouer. Alerté, Alphonse Ngoïkiasangi s'est rendu sur le champ pour en finir avec cette érosion dont la progression est aujourd'hui bloquée. La vie a repris dans ce quartier modeste de la ville. Le ravin ne progresse plus. Les eaux de pluie sont drainées et orientées vers des grands collecteurs.
La commune verte a aussi bénéficié d'un bâtiment administratif ultramoderne construit grâce au partenariat entre le gouvernement provincial du Kassai-Oriental et le programme des Nations Unies pour le développement. Son inauguration est intervenue en 2013, le même jour avec celle du bâtiment administratif de la direction provinciale des recettes sur l'ex-terrain des GD. Cette bâtisse a été acquise grâce au même partenariat et permet à ce jour au service mobilisateur des recettes provinciales de bien faire son travail. Je demande à la population de comprendre que ce bâtiment est sien et qu'elle a intérêt à le protéger, à le conserver de manière à servir les générations futures. S'agissant des agents et fonctionnaires de la commune de Lipema, vous avez les moyens, vous avez le beau cadre de travail, de quoi rendre et donner le meilleur de vous-même. Vous n'avez plus d'excuses. Ces beaux bijoux, ce bijou qui permettra à nos agents de s'émouvoir, de mobiliser les recettes de la province sans excuse, parce que en amont, ils ont joui de la formation qu'ils ont bénéficié toujours du PNUD PADER, des séminaires de mise à niveau, des outils de travail, des ordinateurs, des performances, de quoi ne pas s'excuser pour donner le meilleur de vous-même. Voilà. À Kanchi, la venue des écoles a été pendant des années un casse-tête pour la population des quartiers Bel Air et Snell. À ce jour, les travaux ont été exécutés et les engins y circulent en vitesse. Nous sommes contents de ce que cette route qui a été longtemps oubliée par Mélaniba soit aménagée et qu'on ait quand même un passage direct de part et d'autre. C'est une vérité pour la province. Vous savez qu'à son temps, c'était une avenue qui s'était transformée en érosion. Alors, les gens ne croyaient pas qu'un jour cette voirie pourrait être réhabilitée. Mais avec la volonté de son Excellence, M. le gouverneur, il a pris les choses en main. Nous avons essayé de lui montrer l'opportunité de cette route, c'est une fois qu'elle est réhabilitée. Les réactions sont très bonnes. Dès quand nous avons commencé, tout le monde avait un peu de doute. Après trois jours, ils ont vu que les choses sont devenues très sérieuses et les travaux avançaient. Ils ont jeté le feu à la droite de l'autorité provinciale. L'avenue Inga a à son tour longtemps drainé les eaux de pluie au niveau de l'église Elda, à quelques encablures du rond-point Petrombourg. Après avoir tenté plusieurs expériences pour la réhabiliter sans succès, la technologie des pierres plates a permis de résoudre le problème. La circulation va bon train depuis sur ce tronçon. Alphonse Ngoyi-Kassangi visitera d'ailleurs la carrière installée par la société chinoise ZTC à Kabwe pour soutenir cette technologie des pierres plates. La même méthode sera appliquée pour exécuter de nombreux travaux de correction de la route nationale numéro 1, Mbujima et Mweneditou, en vue de faciliter l'évacuation et l'entrée des produits de première nécessité. Faute de bitume au Kassai-Oriental, le gouvernement provincial s'est contenté de la formule rapide des plaquages pour résoudre la question de la réhabilitation de nombreuses routes.
Vous me voyez visiter les travaux sur la nationale numéro 1. Comme c'est une route qui allait se couper, alors le gouvernement provincial a d'urgence remis les moyens à l'entreprise Aremir qui est en train de réhabiliter cette route pour la sauver. Parce que c'est une route d'une grande importance pour la province. Ici, c'est le site de CGCD. Alors, vous savez qu'il y a eu un contrat signé entre le gouvernement central et le gouvernement provincial sur le fonds d'investissement de la province. Alors, de ce contrat, il fallait qu'on asphalte 20 km de route dans la ville de Mbujimayi. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une étape importante pour la modernisation de la ville de Mbujimayi. Vous voyez, nous avons déjà, c'est une première depuis que cette province existe. Depuis que cette ville existe, on n'a jamais eu une usine d'asphaltage. Vous voyez cette usine implantée, prête pour le démarrage des travaux. Donc je tiens à remercier le président de la République une fois de plus pour cette volonté, cette détermination affichée pour la modernisation de notre pays dans sa vision de la révolution de la modernité. Donc aujourd'hui tout est prêt. Tout est prêt, les essais sont concluants. Il ne reste que l'épandage des bitumes sur la route pour voir comment cela réagit. Mais déjà au niveau des usines, tout est prêt. Il y a, vous avez vu le concasseur qui est déjà planté. Vous avez vu l'usine d'asphaltage qui est déjà plantée. Tout est prêt pour la modernité de la ville de Mbujimayi. Et donc, il ne reste qu'une chose, c'est le financement. C'est ici où j'invite le ministre des Travaux publics, le gouvernement de la République, parce que le contrat qui était signé était sur 2 ans. Nous en sommes à la 3e année. Donc j'invite le gouvernement de la République de décaisser les fonds pour que nous puissions réellement arriver à la concrétisation de ce projet. Donc le projet ne s'arrêtera pas simplement aux 20 km de route, mais cette usine, c'est pour la province du Kassai-Oriental. C'est-à-dire, nous, gouvernement provincial, qui souffrions pour asphalter nos routes. Vous savez qu'on a asphalté nos routes à la main. On a utilisé la formule déjà dépassée. Aujourd'hui, nous avons l'usine d'asphaltage. C'est-à-dire, c'est comme je l'ai dit, c'est une phase déterminante. Toutes nos routes seront asphaltées. Pas simplement la ville de Mbujimayi. Nous avons la deuxième ville, la ville de Mwene-Ditou. Le programme d'asphaltage de la ville de Mwene-Ditou est là, doit se réaliser avec l'implantation de ces usines. Les érosions de Mbujimayi ont également été combattues sévèrement par Alphonse Ngoï Kiasangi. Si les célèbres ravins Maréchal et Mutombokachi ont été transformés en routes, d'autres ont suivi des profonds travaux de remblayage jusqu'à leur neutralisation. C'est le cas de Tchamba au quartier Misesa et d'Ilegi dans le quartier qui porte le même nom, qui ont subi des travaux réguliers de blocage. Les eaux de pluie ont été drainées dans toutes les communes de la ville de Mbujimayi pour empêcher la création de nouvelles têtes d'érosion qui s'est créée facilement sur le sol sablonneux de Mbujimayi. Alphonse Ngoï Kiasangi est aussi un homme du social. Son mandat de 8 ans n'a pas été que rose. Le 9 novembre 2009, Mbujimayi et Mwene-Ditou, les deux grandes villes de la défunte province du Kassai-Oriental, sont frappées par de fortes pluies diluviennes. Le bilan est sans appel. 450 maisons en Mbujimayi et plus de 250 dans la ville ferroviaire s'effondrent. La population enregistre des pertes énormes des biens de valeur en dehors des routes et patrimoines de l'État qui sont détruits. La ville de Mbujimayi est déclarée sinistrée et demande de l'aide aux bienfaiteurs. Je suis vraiment content de la réaction spontanée de tout le monde, de tous nos partenaires, de toutes les forces vives de la province du Kassai-Oriental. Surtout
qui sont tous venus sans savoir de quoi il s'agissait. Depuis son élection en 2006, Joseph Kabila Kabange n'avait jamais foulé ses pieds au Kassai Oriental. Ayant entendu les cris de détresse d'Alphonse Ngoy Kiasangi sur la catastrophe de Mbujimayi, le garant de la nation n'a pas hésité un seul instant à prendre son vol pour la ville diamantifère. Le 26 novembre 2009, l'avion présidentiel s'immobilise sur les tarmacs de l'aéroport de Bibemba. Joseph Kabila est en Mbujimayi. Ce jour-là, la population du Kassai Oriental, mobilisée depuis 48 heures par Alphonse Ngoy Kiasangi, réserve un accueil triomphal et historique au premier citoyen congolais. En dehors du sinistre, la foule parle de la relance de la MIBA. Ainsi, durant son séjour, Joseph Kabila remet une grande assistance gouvernementale aux sinistrés et effectue plusieurs visites sur les chantiers de la ville sous les ovations de la population. À l'issue de son séjour de travail, lors du dîner d'au revoir offert aux forces vives de la province du Kassai Oriental, le président de la République promet de remettre 20 millions de dollars américains demandés pour la relance de la junte minière de Bakwanga. Après avoir terminé les études de faisabilité et de compléter le financement nécessaire de 160 millions de dollars américains, finalement, les travaux de construction d'un barrage de 65 MW à Katine. C'est une ville de Kassai. Pour la construction d'un barrage de 65 MW à Katine, on démarre certainement au début de l'année prochaine. La mise en service de cette centrale hydroélectrique permettra d'approvisionner le Kassai occidental en énergie électrique et facilitera l'interconnexion avec le réseau du Kassai oriental. Dans le même bénéfice, le financement est attendu pour la réhabilitation de nos barrages numéro 1 et 2. Un acompte de 10 millions est donné sous forme d'échec au cours d'une cérémonie riche en couleurs à Bouzala à l'entrée du polygone minier. Alphonse Ngoy Kiasangi y prononce un discours dont l'histoire retiendra les mots. Et après les 273 jours, vous fouliez, Excellence Monsieur le Président de la République, le sol de la ville de Mbujimayi. À l'époque, vous veniez consoler le Kassai oriental sinistré et éprouvé à la suite des pluies diluviennes de triste mémoire. Le peuple est-kassaïen se souviendra à jamais de cette sollicitude toute paternelle. À l'occasion, Excellence Monsieur le Président de la République, vous aviez prêté une oreille attentive aux doléances de votre peuple au sujet de la relance de la MIBA et de l'ex-Saint-Germain, poumon de l'économie est-kassaïenne. Aujourd'hui, le peuple du Kassai oriental, qui me charge de vous transmettre solennellement ces chaleureuses salutations et de vous souhaiter un agréable séjour sur son sol et est heureux de savoir, Excellence Monsieur le Président de la République, que vous êtes venu lier la parole à l'acte. En effet, cette population reconnaît en vous un homme de parole, car autant vous avez réalisé votre promesse de réhabiliter l'ex-Saint-Amin, aujourd'hui Skim,
et la ferme de Gaïpen, où qu'elle est, autant vous donnerez aujourd'hui celle exprimée au mois de novembre 2009 de relancer les activités de la MIBA, dont les effets sont attendus par tout le peuple est-cataïen. Dans cette perspective, la remise du chèque à l'équipe dirigeante de la MIBA, à laquelle vous procédez solennellement ici et maintenant, revêt une importance historique dans la mesure où elle marque la renaissance de l'espoir des décollages socio-économiques pour une population qui ne savait plus à quel sein se vouer, si ce n'est à son chef que vous êtes. Le vœu de tous est de voir la géante MIBA se relever et contribuer, comme par le passé, à l'essor économique de la province du Kasaï oriental en particulier et de notre pays en général. En cette occasion toute particulière, le gouvernement provincial réitère sa volonté d'accompagner la MIBA en ces temps difficiles, comme il l'a toujours fait, soit pour apaiser les tensions sociales, soit pour sécuriser son patrimoine. Impressionné par l'accueil et les séjours inoubliables lui réservés par ses administrés de Mbujimayi, Joseph Kabila vient désormais au Kasaï oriental à tout moment que son agenda le permet. Mais Alphonse Ngoï Kiasangi est resté aux côtés des agents de la minière de Bakwanga, alors qu'il poursuit des efforts pour la relance effective de la société minière. Le gouverneur du Kasaï oriental a multiplié les missions de plaidoyer en faveur de l'amélioration du social des travailleurs auprès du gouvernement central. Ces efforts aboutiront au déblocage fin 2013 de quelques mois de subsides par le chef de l'État. Ces salaires ont été versés à leurs bénéficiaires en marge des festivités de Nouvel An 2014 au cours de la visite de la ministre du portefeuille, Mme Louise Mungamasozi. L'autre triste événement qui a marqué ce mandat reste l'explosion du camp Brigade. Vendredi 24 janvier 2014, alors qu'il pleut sur la ville, un éclair se décharge sur un dépôt secondaire d'armes et munitions, causant des dégâts sans précédent sur place, comme ailleurs à Mbujimayi. Le bilan humain fit 18 morts et plusieurs blessés graves. Pour Alphonse Ngoï Kiasangi, c'est l'un des jours les plus tristes de son règne. Le gouverneur des provinces téléphone directement au chef de l'État, qui dépêche une mission gouvernementale et apporte l'assistance aux sinistrés. Le gouvernement provincial du Kasaï oriental sera également aux côtés des malades et autres familles éprouvées. Des funérailles dignes sont organisées à la grande place de la Poste pour rendre un hommage mérité à ces pauvres innocents tombés sous les coups des balles. Chaque famille frappée par ces explosions d'une manière ou d'une autre avait bénéficié d'une subvention de l'État des mains de l'autorité provinciale. Quand même, on a un geste pour l'État sale, on a pour reconnaître au salement, pas nos parents, quand même les amis. Un petit geste, il y a Kolongola, ma et Misso, et la Bisso. Bisso peut vous reconnaissant envers l'État pour reconnaître Bisso quand même, pour le geste de ça. Donc, on appelle merci. C'est plus de moi que moi, le geste de ça, et Bisso. Les amis, il faut vous battre, mais. Je ne sais pas, mais balé, c'est comme mon fort. Moi, c'est à ce prix, mon bon, merci. J'ai perdu ma mère. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis certainement reconnaissant envers le président de la République par le canal de notre gouverneur Ngoï Kiasangi qui nous a quand même essuyé les larmes à travers ce geste si louable. Nous le remercions et nous demandons la grâce de Dieu. Que le Seigneur le bénisse pour cette grâce. Dis-moi la grâce que Dieu a dit à enveloppe ou à tout le monde, tout le monde 1 million 410 000 francs congolais. Tout le gouvernement est tout à fait. J'ai un ami qui a dit que pleurer avec ceux qui pleurent. Cette sagesse africaine fait partie des habitudes d'Alphonse Ngoï Kiasangi. Il a toujours été prêt avec son aide chaque fois que sa population est frappée par un malheur. L'accident dramatique occasionné par un camion lourd au rond-point Kouidro,
causa plusieurs morts en 2009. Ngoï Kassanji a apporté des médicaments et assistance aux victimes. Plusieurs autres actions analogues ont été posées par le gouverneur des provinces sur plusieurs autres cas. Revenons sur les heureux événements. Alphonse Ngoï Kassanji a permis au gouvernorat des provinces d'avoir un bâtiment administratif présentant la vraie image du Kassai oriental. À son arrivée au pouvoir en 2007, le chantier du nouveau gouvernorat, un des arriérés du mandat de son prédécesseur Dominique Kanka Bengele, était constitué essentiellement des murs élevés et d'une toiture fragile, emportée d'ailleurs quelques mois plus tard par la pluie. Les carreaux et autres matériels de finissage ont été détournés par un des conseillers de l'ancienne autorité provinciale, sentant peut-être l'odeur de la fin du règne de son chef. Les ans passent, mais les institutions restent. Ngoï Kassanji se sert de ce proverbe institution pour entamer les très coûteux travaux de finissage du nouveau gouvernorat des provinces. Joseph Kabila viendra couper le ruban symbolique marquant son inauguration le 13 décembre 2013. Durant son mandat, Alphonse Ngoï Kassanji a œuvré pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Sachant qu'il n'existe nulle part au monde l'insécurité zéro, le gouverneur de province n'a pas lésiné sur les moyens pour permettre aux services de sécurité et des renseignements de mettre la main sur les bandits qui sèment la terreur au Kassai oriental. Le chef de l'exécutif provincial a même empêché à une rébellion de s'installer dans sa province en pourchassant le colonel John Tshibangu de triste mémoire jusqu'à le mettre hors d'état de nuire. La prison centrale de Mbujimayi n'a pas été oubliée par le gouverneur. Des différentes visites, des dons et assistances aux prisonniers, des demandes de mise en liberté des présumés auteurs des faits bénins, l'accès à la nourriture et aux soins de santé décents ont été assurés. Ceci c'est un encouragement à l'endroit de vous prisonniers, pour que vous sachiez qu'être ici n'est pas perte d'espoir. Mais Dieu a permis que vous passiez par ici, peut-être pour essayer d'améliorer et d'arranger votre avenir. La ville de Mbujimayi continue certes à lutter pour stabiliser la desserte en eau potable. Mais les efforts considérables ont été fournis dans ce secteur. Ces efforts sont marqués par la remise des fonds à la régie des eaux pour réparer ces machines, le partenariat avec la Safricas et autres interventions ponctuelles pour donner de l'eau à la population. Dans le même ordre d'idées, l'énergie électrique est l'un des chevaux de bataille d'Alphonse Ngoï Kassanji. De la Société Nationale d'Électricité à l'ENERCA, en passant par l'Hydroforce, une étroite collaboration a été offerte par l'autorité provinciale et son gouvernement pour privilégier l'intérêt du peuple. Après différentes visites à la centrale hydroélectrique de Tchala, le gouverneur des provinces a plaidé et obtenu 250 000 dollars américains du gouvernement central, spécialement du premier ministre Matata Ponyo, pour la réparation des turbines principales de cette centrale. Conséquence, la ville de Mbujimayi enregistre actuellement sa plus longue période de stabilité du courant. Même l'éclairage public est actuellement assuré en permanence et tous les médias diffusent sans interruption leur programme. Mais l'énergie qui peut favoriser le fonctionnement des usines et sociétés au Kassai oriental est attendue avec l'arrivée du barrage de Katende, dont les travaux se poursuivent normalement sur financement du gouvernement central. Bientôt, la desserte en eau potable sera assurée 24 heures sur 24 à Mbujimayi. Le gouverneur des provinces vient de négocier et obtenir un financement de la banque allemande KfW qui a débloqué le financement de la régie des eaux et de la Safricas. Les travaux sont en cours pour nettoyer les conduites des Bakwakapanga et de Lukelenge, après quoi l'eau sera très permanente sur la ville diamantifère. Ngoï Kassanji avait d'ailleurs rencontré les représentants de cette banque
lors d'une de ses visites à Kinshasa. La KfW finance la régie des eaux, donc en grande partie les financements importants dans le pays et consacrés à notre province. Donc il y a eu des projets de distribution d'eau dans la ville de Menaditou, ville de cité de Kabinda et la cité de Loda. Ça fonctionne déjà, les centres secondaires qui fonctionnent déjà. La population a le droit d'accéder à l'eau potable. Donc dans la ville de Mbujimayi aussi, il y a des travaux qui s'exécutent au niveau de la station de pompage. Et bientôt, il y aura un financement additionnel pour l'extension du réseau de distribution d'eau dans la ville de Mbujimayi. Il n'y a pas simplement le réseau de distribution d'eau, mais comme il est buté à la difficulté de la desserte en énergie, et il y a aussi, on a envisagé, la KfW et la BAAT, d'avoir des financements pour la construction des centrales hydroélectriques, pour l'autonomisation de la régie des eaux et aussi permettre à la population d'avoir accès à l'énergie. Donc, c'est sur ce volet-là qu'on a fait le tour d'horizon de ce qui est déjà exécuté, pour lequel la province du Kassai-Oriental remercie sincèrement la KfW. Pour tout ce qu'elle fait pour la province. Aujourd'hui, nous avons des centres qui fonctionnent bien dans la cité de dans la ville de Menaditou, cité de Kabinda et cité de Lodia. Maintenant, c'est la ville de Mbujimayi où depuis plusieurs années, cette ville rencontre des difficultés pour la desserte en eau et en énergie. Il y a déjà les 20 millions de dollars qui sont disponibilisés par la KfW. Maintenant, dans ces 20 millions, ça concerne, je crois, trois provinces. Et nous devons trouver une part importante parce que nous avons un besoin immense pour desservir la régie des eaux et la population. Donc, nos débats ont suffisamment avancé. Je crois qu'il y a la KfW qui recrute un recrutement d'un bureau indépendant pour pouvoir faire les appels d'offres, envisager de travailler avec les indépendants à Tchala. Parce que Tchala, c'est un site qui appartient à l'État. L'État a le droit de décider dessus. La condition posée ici par les partenaires était qu'on ne pouvait pas financer une structure qui n'est pas de l'État. Aujourd'hui, que ça a été éclairé, que c'est un bien de l'État, Tchala 1, il y a lieu d'investir dans Tchala 1 et aussi Tchala 2 pour augmenter la puissance, permettre à l'AMIBA d'avoir sa part là-dedans et la population aussi, la régie des eaux. Donc je suis heureux aujourd'hui de cet échange, il y a des avancées significatives. Depuis 2007, l'autorité de l'État est restaurée au Kassai-Oriental. Les différents partis politiques de la majorité, de l'opposition, la société civile et les indépendants exercent à longueur de journée leurs activités sans être inquiétés. Tout compte fait, Alphonse Ngoui Kassangi a assumé avec brio la mission lui confiée par le peuple et a surtout privilégié la cohabitation pacifique avec la première institution provinciale. Le Kassai-Oriental a même été le modèle de la stabilité des institutions provinciales au Congo démocratique.